premier sorti journal mi-temps journée pour semaine ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue. N'a démarré tout de suite pour nous faire connaître centre coopération internationale dans santé et développement dans tête collée avec ministère santé publique et population MSPP lancé vendredi 14 décembre 2018 passé à deuxième phase projet Prisma dans l'hôpital La Providence ville Gonaïve. Projet ça cap exécuté dans domaine santé maternelle et santé timoun sorti 0 pour arriver 5 ans, joindre financement pays Canada pour un valet 20 millions de dollars canadiens. Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay pour un reportage. Projet prise en charge intégrée santé maman et timoun dans la Tibonite Prisma vient renforcer pour deuxième phase là. 9 ambulances sayo, c'est une nouveauté projet Prisma 2. Yo bien équipé pour répondre à toute qualité urgence qui demande des soins rapides pour complications dans la grossesse. Yo pral desservi Gonaïve ak zone qui tout près yo. Ça vient ajouter sur 8 ambulances l'état haïtien te gagner pour tout département la Tibonite là. Avec cette dotation, le parc d'ambulances de l'Artibonite passe de 8 à 17 ambulances. Ce chiffre n'est toujours pas suffisant, mais appréciable. Toutefois, soyez rassurés, le gouvernement travaille à renforcer chaque jour davantage le centre ambulancier national. Et bientôt, à partir du trésor public, d'autres ambulances viendront augmenter la flotte existante et de plus, il est prévu la construction de centres ambulanciers régionaux. Monsieur le représentant du gouvernement du Canada, le gouvernement haïtien apprécie à sa juste valeur la contribution du gouvernement canadien dans le développement du système de santé haïtien. Pendant 5 années, première phase Prisma, il y a un total de 17 institutions de santé qui te joignent appui pour une plus bonne prise en charge institutionnelle dans la question de santé maman et timoun, que ce soit dans la construction et réhabilitation infrastructure, fourniture médicaments et équipements, ou soit formation personnelle santé. Dr. Ludzen Sylvestre, c'est responsable Centre coopération internationale dans la santé, CCISD, cap géré projet ça pour pays Canada. Nos actions auront un impact réel sur la population, c'est quand toutes les femmes de l'ère du projet, les femmes enceintes de l'ère du projet, se sentiront à l'aise de venir au niveau du SONUB pour accoucher. Nos actions auront un impact réel sur la population, c'est quand au niveau des centres communautaires de santé, les auxiliaires infirmières prendront en charge les enfants malades avec l'approche PESIM et disposent des intrants et médicaments nécessaires à cette prise en charge. Nos actions auront un impact réel sur la population, c'est quand les agents de santé communautaire polyvalents se mettront avec nous réellement au travail pour la vaccination et de tous les enfants et contribuer à l'amélioration de la couverture vaccinale. Nos actions auront enfin un impact sur la population, c'est quand les différentes instances de gouvernance au niveau du département auront les ressources nécessaires pour jouer pleinement leur rôle. Pays Canada finance projet Prisma 2A pour un valet 20 millions de dollars canadiens. Ça va renforcer services dans une vingtaine de centres de santé dans le département de la Tibonite, dans le domaine de santé sexuelle et reproductive, maternelle et néonatale. Ça qui va réduire en pile la quantité de femmes qui mourent dans le timoun. Le dossier ministère intérieur à collectivité territoriale mettait fin vendredi 14 décembre dans un symposium 3 jours. Yo tap organisé dans Port-au-Prince pour acter collectivité. C'est président République la Jovenel Moïse qui clôturé activité ça, qui était faite sous thème gouvernance territoriale. Toujours avec Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Après 3 jours brasser l'idée sur gouvernance territoriale, différents acteurs collectivités, délégués, vice-délégués et secrétaire général, disent qu'ils ont plus d'outils pour remplir mission comme ça doit dans la population. Dans le symposium, le débat a été déroulé sous fonction publique, politique nationale de concentration, mais surtout sous document programme modernisation l'État PME 2023. Nous connaissons que pas aucune université qui forme des délégués, pas aucune université qui forme des vice-délégués. Maintenant, je connais dans son poste, généralement son poste politique. Et je dis, nous venons
et prend pas mal d'informations qui viennent faire que nous beaucoup plus renforcer pour que nous avons des services que nous devons faire là, pour que nous avons coordonné activité, parce que le rôle délégué est son rôle de coordination, son rôle pour que toute activité gouvernementale qui est faite dans le département côté lié à la juridiction, là, pour que lui-même l'a non seulement contrôlé, mais surveillé et pour regarder comment que les résultats y a privé sur le terrain. Bon, c'est 3 jours ça, c'est en 3 jours que nous n'avons pas perdu. Ce sont 3 jours qui pourraient aider nous et renforcer nous dans ça que nous gagnons et comme attribution. Oui, travail la préfète, et ça veut dire par rapport à nous-mêmes, et tout gain l'autre information pour instruction, tout pour passer à l'autre directeur général, pour qu'on ait entre nous et relation gain entre nous, qui roule nous, qui roule connexe gain entre nous avec nous-mêmes. Président République là, Jovenel Moïse, qui t'a clôturé activité ça, fait qu'on est, si t'as parlé ça, tombé dans bon moment. Yon moment côté citoyen yo besoin plus service puis bon qualité sous contrôle yon l'état responsable. Li nécessaire pour chaque semaine. Moi-même moi connais dans chaque mois. Mais l'état bon pour que chaque semaine pour un dialogue qui fait dans arrondissement yo avec représentant local yo pour nous-mêmes vice délégué pour nous connaître ça qui a passé côté qui un problème de l'eau qui gens ça y est côté qui un problème l'école. Côté qu'il y a un problème de formation professionnelle, comment pour nous comprendre mon arrivée dans le Nord-Ouest? Et puis, c'est un groupe société civile, une section communale, qui dit qu'il y a un problème pour clôturer un terrain de football. Et puis, ça n'a pas arrivé dans les oreilles. Les membres du Premier ministre ne sont pas connus, arrivé par une autorité locale qui compte ça. Et pourtant, dans le département, il y a un directeur départemental sport, il y a un vice-délégué, il y a un délégué. C'est pour ça que nous-mêmes nous là. Moins de problèmes que la population a, il faut nous connaître, il faut nous chercher connaître pour nous capables de faire rejoindre l'autorité. Résultat symposium ça pral entrer dans un calendrier de réalisation, une façon pour garantir toute décision qui prend yo à pas appliquer. Sous direction ministère intérieur collectivité territoriale, Brasseli Dessa joint support Office Management et Ressources Humaines ou MRH et Programme Nations Unies pour développement. Premier ministre Jean-Henri Seyan lancé vendredi 14 décembre programme Urbaïti. Programme ça vise répondre à défi urbanisation yo et puis améliorer résilience ville yo. Anne-Marguerite Auguste à Clorore dans les Jean-Jacques. Gouvernance urbaine et résilience ville, c'est sous deux axes le programme Urbaïti a pour l'exécuter dans Port-au-Prince. Ces représentants secteurs qui ont bénéficié du programme nan, qui signent un protocole d'entente. Lan. Ambassadeur Union européenne nan, Vincent Digier expliquait l'étude du programme ça a commencé depuis fin année 2014. Ça qui te permet aux techniciens de bien analyser l'enjeu. Dans le résultat étude ça, diplomate l'a fait connaître, 94% surface terre exposée à divers risques, 57% exposée à tremblement de terre, 26% à érosion et 5% exposée à glissement de terrain. L'ICRO est face à tout défi ça yo qui en pile et difficile nécessite une mobilisation sans faille bon côté autorité dans l'État à l'autre secteur yo pour faire face à enjeu yo. Ces quartiers sont généralement dépourvus des infrastructures et services de base nécessaires et n'ont pas de trames vières organisées, c'est-à-dire de voies publiques en bonne et due forme. Cette absence réduit d'autant l'accès aux services de base, aux marchés, aux emplois du secteur formel, emplois et services que l'on trouve précisément dans la ville formelle. La résilience de ces quartiers et de ses habitants passe donc par l'amélioration de l'accès aux services de base, comme l'eau et l'assainissement, mais aussi par des travaux de mitigation des risques. L'autre volet, tout aussi essentiel, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, c'est celui de la résilience économique pour ces populations. Partout dans le monde, les villes sont un moteur fondamental de la croissance économique. Une ville qui marche bien offre au secteur privé de l'énergie et de la connectivité, ce qui permet à ces villes de grandir et d'offrir de bons emplois. Premier ministre Jean-Henri Seyan déclaré programme Urbaïti pour contribuer au développement social et économique pays.
Exécution programme ça, c'est une réponse en faveur la vie meilleure pour population. Administration Moïse là, à gouvernement séant, à Pronea. Chef gouvernement dit Hub Haïti doit servir comme une source motivation et un modèle qui a répliqué dans toute ville. Yo. Les objectifs spécifiques de cette phase sont le renforcement de la gouvernance du secteur urbain au niveau national, régional et local, le renforcement de la résilience des villes et des populations urbaines. Ces deux axes d'intervention devront servir de repère pour mesurer et apprécier à terme les résultats atteints. Le programme Hub Haïti est un effort de taille, inscrit dans la longue liste des initiatives à accomplir par mon gouvernement pour faire face aux grands défis nationaux à lever. C'est Port-au-Prince qui a premier bénéficié du programme ça qui a duré 4 ans. Magistrat Port-au-Prince, Yuri Chevry, salue l'attention aux autorités accordées à la commune la dirigée. Lui expliquer le programme ça pour permettre mairie à plus autonome dans le cadre de travail. Pour permettre de travailler ensemble, surtout sur le gouvernement, surtout sur la grande mairie, la mairie a capacité pour gérer tête lui-même, sur le point de vue et urbanisation, planification et tout, et créer un paquet d'outils qui sont nécessaires pour la mairie. Dans le temps moderne, a fonctionné. Je pense que 4 ans, ça, avec mon temps, ça va permettre de mettre les mairies sur le niveau que tout le monde est sur la terre. Première phase du programme ça a démarré dans Port-au-Prince a coûté environ 53 millions d'euros. Ambassadeur Union européenne, Vincent Degère, dit qu'il compte augmenter 20 millions d'euros sous quantité ça pour élargir le programme dans le département Grand-Anse et le département Sud. L'autre nouvelle commission spéciale amendement constitution en chambre députée réalisée vendredi 14 décembre 2018 là yon conférence débat à plusieurs acteurs qui a évolué dans le système judiciaire sous projet proposition amendement constitution. Je t'ai parlé ça qui réalisé dans Pétionville t'es occasion pour membres commission tendez opinion et position avocat juge et l'autre acteur qui travaille dans domaine justice dans pays sous 30 projets proposition loi sous amendement constitution. Député Jerry Tardieu et député Ronald Etienne, c'est une après l'autre président et secrétaire rapporteur commission amendement constitution. On suit. Commission spéciale sous amendement constitution chambre des députés, t'es content que toute association qui est impliquée dans la question de la défense du droit, amical des juristes, Baou de Port-au-Prince, organisation universitaire en dans UEH, te voye représentant yo. Nous te content recevoir tout grand avocat sa yo pour nous parler avec yo, pour nous prendre disons yo sous comment yo wè question amendement constitution. Sous table moi même serviteur directeur du député Pétionville, c'est président commission. Sous table à tout est gagné, député Ronald Etienne, député de Pestel, député Jacques-Michel Saint-Louis, député de Montbécochu, député Myriam Amilcar, député de Saint-Michel-de-la-Talaye. Nous sommes 4 dans 9 commissaires qui ont siégé dans la commission spéciale sur l'amendement constitution qui remettent rapport depuis 28 août 2018 et qui aujourd'hui a un pèlerinage pour rencontrer tout secteur dans la société, pour sensibiliser sur l'importance du travail que nous produisons. Nous avons rappelé que l'année 2019 est une année importante dans la vie du pays d'Haïti. C'est en 2019 que nous allons débattre de propositions d'amendement. Le pays est arrivé dans le carrefour côté système dans bout, régime dans bout. La société a besoin d'un autre bagaille. La société a besoin d'un autre système. Je n'y a pas dans l'autre pays. Nous pas capable de penser à l'autre système, tout autant que nous pas penser à l'autre régime. Nous pas capable penser à l'autre régime, tout autant que nous pas manier constitution. Et c'est ça que nous fait. Dans des propositions courageuses, nous t'as souhaité que société a capté de nous. Continuez à encourager nous. Continuez à venir participer dans le type d'événements que nous organisons. Pour ensemble, nous capables arriver en 2019, joindre amendement que nous avons cherché. Pas un amendement wawot, pas un amendement zuit, mais un amendement calmant et constitution dans toute colle pour que nouveau système, nouveau pays, nouveau constitution
que nous cherchons, nous joignons. Je pense que c'est des bagages peut-être qui répétés à tout, sous tous les points de vue, notamment des questions d'éligibilité, des questions d'éligibilité de monde pour candidat, au moins des fautes un certain cursus. C'est son bail qui est répété, question nationalité posée, et question diaspora, intégration diaspora. Ce sont toujours presque les mêmes, avec peut-être des ajouts et, qui posent là. Et c'est nous considérer, nous prenons note et nous demander pour yo venir avec des bagages écrits que nous pouvons ajouter sur les 3 propositions majeures que nous avons là et que nous pouvons présenter en fin de législature à l'Assemblée pour demander s'il y a lieu d'amender la Constitution et que nous allons proposer à la législature, à la 51e, pour faire le travail final pour que nous gagnions une nouvelle Constitution avec ces propositions vraiment révolutionnaires que nous accumulons, que nous allons proposer. Et nous espérons que et ça capable peut-être un pacte au niveau de société qui est tellement bouleversée par les graves problèmes conjoncturels que nous avons là et que structurellement nous avons privé mettre en constitution et chercher qu'on y a là, c'est chercher mettre en application pour permettre que nous avons une société qui est capable de fonctionner beaucoup plus facile, capable de résultats et services à la population. Responsable ONU Femmes Haïti mettait bout vendredi 14 décembre dans atelier formation yo t'a réalisé pour parti politique yo sous participation femmes et garçons dans parti politique yo. Promouvoir les femmes pour renforcer les partis politiques, c'est sous thème ça atelier formation ça a été déroulé. Rachel Saint-Fort et Hervé Pierre. Selon responsable ONU Femmes, c'est environ une centaine de monde parmi les représentants et une vingtaine de plateformes et partis politiques qui participent dans la formation ça. Les fait pour sensibiliser les partis politiques sur la nécessité pour prendre en compte la question égalité femmes et garçons dans l'organisation, le fonctionnement, le financement pour encourager plus de femmes à participer dans les affaires politiques dans le pays. Nos attentes étaient de commencer un dialogue avec les partis politiques sur la question de la participation politique en interne aux partis politiques, mais également de réfléchir ensemble sur la manière dont le fonctionnement peut changer pour créer plus d'espace pour les hommes et pour les femmes dans les partis politiques de contribuer au devenir d'Haïti. Nous avons dans un premier temps montré les enjeux et défis de la participation, de la prise en compte du genre dans la prise de décision et montré que c'est un enjeu très important, un enjeu de développement économique, parce que vous savez qu'il existe des objectifs de développement durable. Et le cinquième objectif, parce qu'il y en a 17, c'est l'égalité homme-femme. Sans cette égalité, il ne peut pas y avoir de développement durable possible. C'est un enjeu de justice sociale, parce que les femmes constituent plus de la moitié de la population, donc il faut qu'elles participent là où se prennent les décisions. C'est un enjeu bien de cohésion sociale et pour la paix, parce que quand les femmes sont dans les sphères de décision, elles veillent à ce qu'il y ait des décisions qui se prennent en faveur de la paix. Un représentant parti politique qui était présent dans l'occasion a félicité l'initiateur pour activité ça et puis souhaité lui rejoindre toute femme dans le milieu rural. Il est vraiment important, non seulement pour aider les femmes à comprendre où elles sont dans la société, où elles sont dans la politique et raison. Et pour qui ça doit intégrer parti politique yo, et c'est l'important parce que il fait femme reconnaître qui est-ce que est vrai en tant que femme, qui capacité que gagne en termes de compétences tout. Donc pas fin trop remet les programmes ça aurait été centré dans zone métropolitaine, non, même pire mais toujours les noirs, les jeunes femmes qui loin. Dans l'intervention, le professeur Grassin Jean mettait accent sur quelques mesures qui doit prendre bon côté autorité dans l'état dans niveau parti politique yo, pour plus femmes qui participer dans l'élection. Les partis politiques ont un gros part dans ce sens-là, vu que c'est sous bannière, c'est sous ombrelle parti politique, et bien que femmes yo allaient candidat. Donc, dans ce sens-là, il faut que partis politiques imprégnent de questions de genre pour que gagnent de véritables femmes, gagnent plus espace à ce que et les jeunes et les femmes incluent en dedans parti politique, et que capable de transparence tout dans sélection, choix candidat, pour que dans la prochaine élection capable de gagner dans le pays, et bien femme capable pas vraiment d'une représentation insignifiante. Ça n'ont pas dit même gens avec Wanda, mais au moins quota de 30% handicapables respectés. Atelier formation
intervention ça yo déjà réalisé dans nord axit d'après organisateur yo qui fait qu'on est après atelier qui fait dans l'ouest là participant yo a bien pour travail son feuille de route cap servir référence à parti politique yo pour avancer vers une société sans fausse côté. Plusieurs jeunes entrepreneurs dans CEDEL Haïti rentrés dans le pays lundi 10 décembre 2018 là après au saut participer dans 3 jours formation qui t'a organisé dans le pays Martinique. Jeunes ça qui sont en formation sur entrepreneuriat exprimer satisfaction yo et puis promettre yo pral partager connaissance yo saut prend à chaque jeune dans le pays qui gagne l'idée camper yo entreprise. Yo extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Hervé Pierre. C'est un événement qui a regroupé plusieurs jeunes dans le monde, plusieurs jeunes dans divers pays, surtout dans la zone Europe, là, ensemble avec la zone Caraïbe. Là. Donc, nous-mêmes, nous sommes réunis pour nous travailler sur plusieurs projets. Nous sommes 7 groupes. Nous avons travaillé sur plusieurs projets. Nous, chaque dans un groupe, à part deux jeunes, c'est ça, nous sommes dans un seul groupe. Le groupe, nous avons travaillé sur un projet, nous avons été écolo, nous avons travaillé sur un projet qui est transformation bouteille en plastique, en bracelet, en t-shirt, etc. Donc, expérience ça te permet de comprendre la réalité martiniquaise là, parce que je finis par comprendre que gagner en pollution en Martinique, principalement au niveau de la mer, pour les déchets en plastique. Donc, nous-mêmes, dans l'écolo, nous avons choisi de travailler sur ça pour nous être capables de voir qui remédier à problème ça. C'était une très belle expérience et je pense que si ça t'a demandé pour nous retourner encore et puis former l'autre jeune parce que nous sommes déjà prêts pour nous mettre formation à la disposition de l'autre jeune et nous encourager en pile l'autre jeune à aller dans prochain ITSB cap gagnant parce que nous-mêmes, bon côté pas nous tirer en pile et ben c'est que il est très profitable pour chaque gagnant qui là. N'après poursuivre avec information pour nous faire connaître homme d'affaires Clifford Brandt, reconnaître implication li comme auteur intellectuel double kidnapping jeune Moscou Soyo. Clifford Brandt avoué l'été by l'ordre à sécurité rapprochée Edner Comé qui s'est en même temps chauffeur pour te kidnapper Coralie ak Nicolas Mergena Exalus depuis Gonaïve pour plus de détails. Homme d'affaires Clifford Harry Brandt reconnaît implication comme auteur intellectuel double enlèvement et séquestration qui était faite sur 2 jeunes Moscosoyo, Coralie et Nicolas Moscoso, dans la date 16 octobre 2012. Pendant l'audition dans le tribunal criminel Gonaïve, vendredi 14 décembre 2018, là, Clifford Brandt avoué c'est lui qui était by l'ordre avec agent sécurité lié à la fois chauffeur et Edner Comé pour te kidnapper jeune Moscosoyo. Pendant la séance audition ça qui était duré plus passé 6 heures de temps, Clifford Brandt reconnaît tout, il était payé kidnapper yo pour job là pendant le ordonné yo pas fait mal avec victime yo. Principal accusé dans procès ça fait connait, il était by l'autre ça tout pour être Robert Moscoso qui c'est papa Coralie avec Nicolas, te fait compagnie haïtienne de moteur qui c'est propriété papa Fritz Brandt perdu un contrat vente avec le machine avec l'état haïtien après un appel d'offre compagnie entier remporté. Selon présumé kidnappé, il était passé l'autre ça tout pour être arrêté papal qui était même subi humiliation sous prétexte qu'il était impliqué dans un dossier contre Iban. N'a fait remarquer, après 5e journée, 2e procès Clifford Brandt avec 2 autres accusés, juge tribunal là, M. Denis Pierre Michel fixé une nouvelle audience pour 8 janvier 2019. Exalus Maire Jeuna Gonaïve, Télévision Nationale d'Haïti. Merci Maire Jeuna, après un coup de pause, rete branché et n'abtonné. Suite à une explosion dans Sapporo sous l'île septentrionale japonaise, Hokkaido, dimanche 16 décembre, 42 personnes blessées. Il y a une enquête l'ouvrit pour arriver à connaître qui la cause du fait. Betty Abdinopolis dans un reportage. Un dimanche, là, 42 personnes blessées, quelques parmi eux dans un état grave suite à une explosion qui fait dans un restaurant dans le pays Japon. Explosion ça saccagé plusieurs cailles qui fait en bois qui tout prêt. Ça te prend plusieurs temps pour maîtriser d'y faire. Enquêteur a cherché pourquoi il y a la cause explosion. Dans le mois de février passé, a toujours dans Sapporo, yon caille pour retraiter te réduit ensemble suite à qui on dit fait côté 11 moun perdit la vie. Yo. Dans le sport, sous plan local, Violette Athletic Club a bien démarré phase play-off championnat national 2e division 1. Côté Libat, éclair de Petit Gouave, 3-0. Samedi, quitté 15 décembre 2018, là, dans le stade Sylvio 14. À l'étranger, Ligue des champions, tirage au sort, 8e de finale, compétition sa fête matin en ville Nyon, pays la Suisse. Real Madrid, qui a remporté dernier édition 1, a rencontré Ajax Amsterdam.
Voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans bout li, nous te prend pile plaisir pour informer. Restez branchés TNH pour reste programmation. Bonne semaine. Bye bye tout le monde.